Parmi tous les pays que vous m'aviez proposés, il y avait notamment l'Arménie et l'Égypte. Et il se trouve que j'ai fait d'une pierre deux coups, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'une artiste d'origine arménienne, née au Caire et qui passe la majeure partie de son temps en Égypte. J'ai nommé Anna Boghighian. Anna Boghighian, elle est donc née en 1946 au Caire, d'une famille d'origine arménienne installée en Égypte depuis le début du XXe siècle. C'est une peintre, plasticienne, écrivaine, elle a une septantaine d'années aujourd'hui. Elle est connue pour ses grandes installations. Et sa démarche artistique est extrêmement particulière puisqu'elle dit elle-même que son art est une tentative de cartographier le monde. Donc elle part du principe qu'on est tous conditionnés en tant qu'individus, à la fois physiquement par l'espace qui nous entoure, mais aussi intellectuellement par tous ces conditionnements culturels, religieux, politiques qui agissent comme des murs, comme des barrières entre nous. Et donc cette cartographie du monde qu'elle veut faire, elle a pour vocation de révéler notamment les interactions qui existent entre les individus, les cultures, les territoires, mais aussi entre le passé et le présent. Elle étudie notamment l'économie et les sciences politiques en Égypte, tout en s'initiant à la peinture avec un peintre qui s'appelle Fouad Kamel. Puis elle part au Canada au début des années 70 pour étudier l'art et la musique, mais c'est à cette époque-là de sa vie qu'elle va perdre l'audition, donc elle devient complètement sourde, et petit à petit, l'oreille va prendre une place importante dans son travail, puisque c'est pour elle une métaphore de la relation à l'autre, de la communication, notamment dans cette œuvre qui s'appelle Guilt Machine, et qui nous fait réfléchir sur nos organes des sens, qui nous interroge sur comment ils interprètent les infos qu'on reçoit, notamment en fonction du contexte dans lequel on les reçoit, de la perspective, de ce qu'on veut bien entendre aussi. Donc elle en fait des organes de trahison finalement. À partir de là, elle voyage énormément, elle commence à tenir des carnets de bord, des journaux intimes, pour encore une fois documenter et cartographier ses voyages et le monde. Et le livre a notamment une place prépondérante dans son œuvre, puisqu'elle l'utilise à la fois comme principe de narration, donc pour raconter une histoire d'un bout à l'autre d'une expo, mais aussi comme format, donc beaucoup de ses œuvres ont des formes de livres. C'est lors de l'un de ses voyages en Yougoslavie qu'elle se décide à exposer enfin son travail, elle qui avait longtemps refusé de le faire. En fait, tout simplement, on lui vole son sac dans un train et donc tout le travail qu'il contenait, et donc à partir de là, elle devient persuadée du fait qu'il vaut mieux que l'art soit abandonné au public qu'abandonné tout court, et donc elle commence à faire des expositions. Tous ces voyages qu'elle fait lui permettent aussi de s'immerger dans les problématiques qui lui tiennent à cœur et qui sont extrêmement présentes dans son œuvre, donc comme par exemple le pouvoir, le commerce, la migration mais aussi la guerre et l'oppression, pour elle qui est une petite fille de survivant du génocide arménien. Et c'est un autre sujet récurrent dans son œuvre, donc l'histoire, les relations géopolitiques entre pays et aussi surtout comment le passé influence et affecte le présent. Anna Boghighian, c'est donc quelqu'un qui a un travail extrêmement ancré et dans l'actualité et dans l'histoire. Et c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de la ville dans laquelle elle expose. Donc par exemple, ici en 2016, elle présente une exposition au Carré d'Art de Nîmes qui s'appelle Promenade dans l'inconscient et qui revient sur le passé gallo-romain de la ville, avec notamment ses silhouettes de personnages issus de la mythologie latine et ses formes découpées qui sont inspirées du Carageuse, qui est en fait le théâtre burlesque ottoman. Donc tout ça pour évoquer le passé de la ville de Nîmes. Toujours dans la même veine, elle expose en 2015 à la Biennale d'Istanbul et elle y présente une gigantesque installation qui est encore aujourd'hui l'une de ses plus célèbres, qui revient sur l'histoire commerciale du sel à l'époque de l'Empire byzantin, donc qui a permis à la ville d'Istanbul de faire sa richesse et sa renommée. Et on y voit des monticules de sel et de sable de différentes origines, avec des fragments de bateaux sur lesquels sont tendues de grandes voiles qu'elle a peintes. La plupart de ses œuvres sont aussi politiquement très engagées, comme par exemple en 2012 en Allemagne, où elle crée une installation qui s'appelle Unfinished Symphony, dans laquelle elle expose plus de 100 dessins, dans le but de faire le lien entre le nazisme et l'Holocauste, et le colonialisme qui les a précédés. Depuis, elle travaille beaucoup sur l'aspect cyclique de l'histoire, donc encore une fois les liens entre les événements passés et les conflits présents, notamment en 2018 pour sa première expo solo à New York, ça s'appelle The Loom of History, et elle connecte les dictateurs du passé avec la montée actuelle du populisme un peu partout dans le monde. Elle lie le colonialisme à l'industrie du coton aujourd'hui, à l'esclavage et finalement à l'oppression des Noirs aux États-Unis. Et il y a notamment cette œuvre qui est une tour faite en billets de banque, donc symbole du capitalisme, de la prospérité financière, mais ces billets qui sont, comme elle le rappelle, faits de coton en réalité. Donc il y a encore une fois ce lien avec l'esclavage, l'oppression et le racisme. Et enfin pour terminer, j'aimerais parler d'une œuvre d'Anna Boghighian qui, moi, me tient particulièrement à cœur.
Il s'agit d'une œuvre qu'elle a exposée au Festival d'automne de Paris en 2019, dont elle était l'invitée, pour présenter une expo qui s'appelait « Le carré, la ligne et la règle ». Et cette œuvre-là en question s'appelle « Gagne et perd ». Elle a été exposée dans la cour vitrée du Palais des études des Beaux-Arts. Et il s'agit en fait d'un échiquier géant sur lequel se jouent deux parties d'échecs. La première qui oppose un groupe de soldats à des manifestants, donc c'est très actuel comme sujet. Et la deuxième partie qui oppose un groupe de penseurs, de poètes, de philosophes à des hommes et des femmes politiques qui ont eu pour ambition de mettre leurs idées en œuvre, mais souvent en les trahissant. Et donc on a ces 64 pièces d'échecs peintes à la main sur papier, marouflées sur bois, qui sont suspendues à la verrière. Et le but de cette œuvre, c'est de représenter les relations très souvent tumultueuses, même plus que ça, entre les individus dans un monde qui est soumis à un changement incessant. Et c'est une œuvre interactive puisque les gens sont invités, enfin étaient invités, à venir réellement jouer sur l'échiquier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que le travail d'Anna Boguiguian vous aura plu ou vous aura intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout à la partager.